Bref, un Noël a tombé. Allez, on se lance. Le big bêtisier de Noël, c'est maintenant. Elle est comme l'étoile en haut du sapin, impossible de se passer d'elle. Voici la compile des plus beaux fails de Noël. Ouverture des cadeaux, arrivée du Père Noël et autres repas de fête douteux. Voici les pires 25 décembre du net. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Alors, t'es content ? Ah, pour lui, visiblement, la découverte de son cadeau était un choc. Et pour ce petit bout de chou ? Ah ben, un choc aussi, oui. Et voici les trois conseils pour devenir le meilleur des Pères Noël du Big Bêtisier cette année. 1. Bien se muscler pour porter les cadeaux. 2. Surfer sur les tendances. Et troisième et dernier conseil, arriver à bon port pour la distribution de cadeaux. Et Roger, t'es chaud au pôle Nord, hein? Ah oui, au fait, attention, cette année, le Père Noël risque de venir faire le show. Merci pour l'invite, les gars. Hey! Ne soyez pas pressés. On vous a attendu pour ouvrir les cadeaux. Promotion pour Noël avec des smartphones à prix cassé. Oups, ne vous inquiétez pas, le Big Bêtisier a un super service après-vente. En revanche, on n'a pas de service après-chute. Hein. Bon, deux techniques pour Noël. Il y a ceux qui font des surprises. Et puis il y a les autres. Ceux qui rentrent dans les surprises. Ah, encore un cadeau, c'est quoi cette fois? Open a present, Katie. Ah bah non, c'est pas vide. Il est parti derrière toi, le cadeau. Behind you. Eh oui, c'est un petit chat. Oh, génial, c'est le tout dernier jeu vidéo pour ma console. C'était le dernier, chérie, hein. Il n'y en a plus un seul en rayon, hein. T'as vraiment de la chance. Oula, mince. Et cette année, regardez, toute la famille a participé à Noël. Même le chien a laissé un petit cadeau sous le sapin. Allez, hop, joyeux Noël. Oh, c'est bon. Et n'oubliez pas pour vos cadeaux, avant de les utiliser, lisez bien la notice, c'est mieux. Attention derrière, quand même, hein. Oui, il y avait le sapin. Et d'ailleurs, niveau sapin, on est comment sur la déco, là? Un peu chargé, visiblement.
Et celui-là, c'est mieux ? Non, j'aime pas. Voilà. Bon, on va vérifier la déco dans la rue à présent. Jean-Jacques, sur les guirlandes, on est comment, là ? Ah bah c'est bon, il n'y a plus qu'à tirer le fil. Oups. Ah, il y a la dinde qui arrive. Oh là. Le secret d'une bonne dinde, c'est le temps de cuisson, bien sûr. On avait dit thermostat 5, hein, pas 10. Bon appétit. Bon, on se quitte en chanson ? Ah oui, ça fout un peu les boules, oui. Allez, on remballe le sapin. Non, c'est électrique, hein, mon petit chat. Et à l'année prochaine. Salut. Allez, on poursuit avec une petite séquence spéciale joie de l'hiver. Et quand les premiers frimas pointent le bout de leur nez, il y a ceux qui préfèrent rester au chaud et ceux qui préfèrent aller s'éclater dehors. Au sens figuré un peu et au sens propre beaucoup. Winter is coming. Ça y est, c'est l'hiver. La neige est bonne, ça va ? Oui. Merci. Et le verglas a répondu présent. Avec ce froid, sortir son chien, ce n'est pas une mince affaire. Et le rentrer à la maison, ça n'est pas facile non plus. Hein. Eh vas-y, t'inquiète pas, Kevin. On est passé, ça risque rien. Les losers à la neige, vous ne connaissiez pas ? Eh ben maintenant si. Alors il y a ceux qui font exprès pour amuser les copains. Take your mark. Go. Oui, c'est froid. Hein, oui. Et c'est très froid. Marqué, ça réveille. Et il y a ceux qui n'ont pas de chance. Ça va, monsieur ? Y a quelqu'un ? Ah bah oui, il est là. Et ouais, moi je suis trop forte. À moi, Ninja Warrior. Bon, non, vous, on vous garde pour le big bêtisier, hein, désolé. Mais si vous ne voulez pas perdre la face, faites comme ce monsieur. Oh oui, bien sûr. Genre, j'ai fait exprès. Escroc. Gérard, il a un problème. Il en fait toujours un peu trop avec ses enfants. Hé, José, regarde ton augmentation. Allez, c'est le moment de plonger dans la séquence de nos talents de l'hiver. Bravo, mon grand. T'es courageux. Oh, my lord. You're right. Quick, come on. Come get up. Et cette année, les Michael Jackson en herbe sont de la partie. Voilà, c'est plus Michael Jackson, hein. Ah bah voilà, c'est comme ça qu'il faisait, Michael. Ah bah non. Non, non, pas ça, non. Vous voulez déneiger votre toit ? Faites appel à Déneige Tout. Michel s'occupe de votre toiture en moins de deux. Ah, c'est un service de qualité, mais surtout des prix renversants, hein. Bon, ils ont encore quelques stagiaires, mais tout va bien. You almost done ? Oh, oh non, all here. No. Allez, maintenant, on fonce vers le prochain magnéto. Petit cadeau de la maison, on vous a compilé les meilleures stories de Noël. Voici nos Christmas stories. Rockin' around.
Pour nos amis les animaux aussi, à l'exception de la dinde bien entendu, c'est la fête. Entre ceux qui adorent les sapins et ceux qui se sentent pousser des ailes alors qu'ils n'en ont pas, il n'y a pas d'autre mot, tout ce qu'ils font et ce qu'ils se font entre eux, c'est cadeau. Et les animaux font tout comme les humains. Et pour les glaçons, ils sont forts ces humains quand même, hein. Et ouais, c'est un moteur V8 que j'ai retapé intégralement pendant l'été. Pas vrai, Ginette? Mais tu vas la payer, cette course! Viens ici! Oui, un conseil, évitez les taxis chameaux. Ils sont rapides, ils sont pas très commodes, hein. Et oui, les... il y en aura pour tout le monde, hein. Allez, salut! C'est un peu notre sucre d'orge, notre clémentine emballée dans du papier doré. On adore dans le Big Bêtisier vous montrer d'un côté ceux qui réussissent quelque chose à la perfection et de l'autre ceux qui essayent de réaliser cette même chose mais qui se plantent lamentablement. Pas pour se moquer d'eux, hein, évidemment c'est pas notre genre. Non, juste parce que c'est drôle, la preuve. Allez, place à la compétition entre les professionnels, ceux qui maîtrisent dans toutes les situations. Excellent. Et les autres, les amateurs, ceux qui ont encore pas mal de boulot. Et qui ont des murs en plastique quand même. On démarre avec une discipline qu'on aime beaucoup dans le Big Bêtisier, le trampoline. Regardez ces as du saut. Joli. Et avec les amateurs, ça donne quoi? Ah oui. Garçon, un café crème. Et vous me faites le petit dessin qui va avec, évidemment. Oh, c'est très beau. Oh, c'est magnifique. José, tu me fais un petit kawa, hein, avec le petit dessin comme le pro, là, d'accord? Ah ouais. C'est pas très réussi, ça. Regardez ce chien qui arrive à porter ce plateau de verre d'eau tout en avançant sur une poutre. On dirait mon chien, c'est incroyable. Il est complètement waouh. En revanche, en ce qui concerne le maître, là, il y a encore du boulot. À présent, une discipline très en vogue, le parcours. Ça consiste à franchir des obstacles urbains. Le secret, bien sûr, c'est de savoir bien atterrir. Voilà. Très bien. Maintenant, voici Steven. 15 ans de pratique de patinage artistique. Il maîtrise les doubles axels, les triples loots à la perfection. Et de l'autre côté, Kevin. Il va nous faire une figure pour l'instant inconnue. Joli, Kevin. Enfin, quand certains réussissent un strike à plus de 220 km/h en voiture, d'autres ont beaucoup plus de mal, même en trichant. Non, mais même là, ils se foirent, c'est pas possible. Comme quoi, le crime ne paie pas. Et tout de suite, le meilleur des stories de Noël, ce sont nos Christmas stories. It tastes good? Yep. Yeah? Yeah? And that's now embedded in the way forward. Sorry, you partner. Yeah. Aucun doute possible, un Noël sans cadeau, ce serait un peu comme le Big Bêtisier sans images drôles, un tantinet tristounet. En tout cas, le plus gros problème quand on fait des cadeaux, c'est de bien les choisir. Vous allez le constater, faire ses courses de Noël, ça peut même être super risqué. Voici les nouveaux héros des supermarchés. Et ça, j'achète. Et oui, pour Noël, direction les grands magasins. Pour la course aux jouets.
Alors on commence par prendre son chariot. Alors on essaye. Il y a les petits pour les grands. Et les grands pour les petits. Allez, encore un petit effort. Il est fort, lui. Okay, let's push in a basket. Grosse tendance cette année, le clown qui fait peur. Évidemment, vous pouvez tester les jouets sur place. Alors, Sophie, on le prend ? Go. La version électrique, hein, c'est toujours un succès. On demande à un vendeur au rayon déguisement, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'était pas la bonne taille, mademoiselle. En revanche, faites attention, un enfant peut vite se perdre. There he is. Oh. Mais parfois, dans les grands magasins, le problème, ce ne sont pas les enfants. Ce sont leurs parents. Vous êtes coincé, monsieur ? C'est bien fait, hein ? On l'avait pourtant dit. C'est de 2 à 8 ans, ce manège. Bon, ça suffit, hein. On a dit que c'était pour les enfants. Ah bah. Chérie, j'ai trouvé les consoles de jeu. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Oh, oh ben là aussi ! Oh mon Dieu ! Allez, c'est Noël, éclatez-vous, quartier libre au rayon jouet. Allez, dépêchez-vous, madame, le magasin ferme dans 5 minutes. Allez, allez. Et n'oubliez pas de ranger le chariot avant de partir. Allez, on va prendre des nouvelles de la famille préférée du Big Bêtisier, la famille Boulet. Et quand les Boulets reçoivent pour les fêtes, papa s'occupe du service, le petit dernier épluche les fruits et la grande prépare les desserts, le tout avec une maladresse déconcertante. Et en guise de digestif, on vous a préparé un petit best-of de chute dont vous me direz des nouvelles. Allez, en route avec Roger Boulet pour retrouver sa famille pas comme les autres. Alors dans la famille Boulet, il y a le fils... Le tonton, alors toujours en vacances, celui-là, quel flambeur. Ça va, ça se passe bien? Une famille avec des idées souvent étranges, hein. Bon, il le cherche un peu quand même, hein. Roger, vous pouvez garer la voiture, s'il vous plaît? C'est fait. Et oui, être un boulet dans la famille, ça commence dès le plus jeune âge. Chez les boulets, ça peut durer toute la journée. Hein. Mais attendez, c'est Noël, hein, et à cette occasion, c'est champagne dans la famille Boulet. Et on sert tout le monde. Hein. Santé. Et les filles, vous êtes au courant que le cousin Boulet a trouvé un job à la NASA ? Oui, nous non plus, on n'y a pas cru. Hein. Mais on va quand même trinquer pour lui. Avec modération, bien sûr. Et voici la petite fille Boulet en plein apprentissage. Elle a de l'avenir dans la famille, cette petite. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui ? Ça a l'air succulent. Hein. La cuisine, c'est un moment de partage dans la famille Boulet. Une bonne paella pour 15 personnes. Non, alors pour 3 personnes, en fait. Michel Boulet, c'est un peu un samouraï dans l'âme. Bon, en revanche, les réparations, c'est pour ta pomme. Hein. Et oui, dans la famille Boulet, on fait d'abord marcher sa tête. Oh,
Comme le petit dernier, là. Vous les attendiez, vous les adorez. Voici les meilleures chutes dénichées sur le web. Allez, voici un nouvel épisode de nos Christmas Stories du Big Bêtisier, les meilleures stories de Noël. Donner à tout le monde de vivre avec quelqu'un d'attentionné, on en est presque tous réduits à la même chose. Les cadeaux, c'est deux fois dans l'année, à Noël et à notre anniversaire. Petite compile des Happy Birthday les plus foirés. Je vous préviens, c'est vraiment très drôle quand on n'est pas concerné, évidemment. Allez, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Ça fait mal. Et pour cette belle occasion, tout a été bien préparé. Voici le fameux gâteau d'anniversaire à tomber par terre. On souffle les bougies, allez. Faut y mettre un peu du sien, là. Sophie, une petite chanson d'anniversaire. Ah, on s'éclate, hein, pas vraiment petit. Et un conseil, ne vous trompez pas sur l'âge de la personne concernée. Quoi, un an? Mais j'ai 2 ans. Fou de moi. Alors une fois le gâteau sur la table, logiquement on souffle les bougies. Et plus fort. Non, plus fort, faut y aller. Bah non, faut souffler. Allez, encore un peu de courage. Eh ben voilà, tu finis par y arriver quand même. Grosse fête à l'écurie ce soir. Tornado fête ses 40 berges. Alors, content? Oui. Ma grande expérience me dit que la vie, faut la bouffer à pleines dents. Ouais. Une Mike Horn des anniversaires. Pour déguster un gâteau, il y a les fins gourmets. Oh, cette crème fouettée est exquise. Oui. Et ceux qui ne perdent pas de temps. Ce monsieur n'a rien trouvé de mieux que de surprendre sa femme Martine pour leur anniversaire de mariage. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué toutes les heures. Happy anniversary!
Martine, on vous souhaite bonne chance pour le nettoyage. Hein. Alors c'est quoi le cadeau cette année, hein? J'espère que c'est ma boîte à outils. Hein. Quoi? Qu'est-ce que c'est que tes trucs là? Une dinette? Non. Oh, je suis pas content. Allez, on remballe. Ramène-moi ça au magasin. Bon, tu connais la piñata? Alors je t'explique, hein. Il faut taper le gros truc là. Non, mais pas là. Oh non, mais attendez, c'est Spider-Man, les enfants! Bon, celui-là, c'est pas demain qui va sauver le monde, à mon avis. Aux anniversaires, on s'amuse, mais il y a toujours quelqu'un pour gâcher la fête. Allez, la fête est terminée, on remballe tout! Hop! Allez, vas-y, Médor! Ah oui, au fait. Joyeux anniversaire. Dans le Big Bêtisier de Noël, tout le monde est récompensé, même ceux qui n'ont pas été sages. Surtout eux d'ailleurs. La preuve, une fois de plus, avec nos Big Bêtisier Awards de la saison. Mention spéciale à ce papa particulièrement inspiré au moment de déneiger sa voiture. Let it snow, let it snow, let it snow. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la cérémonie des Big Bêtisier Awards. Et pour commencer, Award du meilleur papa. Qui a su allier l'utile à l'agréable avec son fils? Award du meilleur cadeau de Noël. Ah, j'ai trop hâte de tester mon nouveau drone, ouais! Mince. De la meilleure blague entre culturistes. Allez, essaye d'enlever ce bout de ruban adhésif. On se marre entre musclés, hein. Meilleure blague ex aequo, mais cette fois entre amis. Avec une manière assez fun de régler vos achats, regardez. Glissez votre carte bancaire dans la pliure du crâne de votre ami. Ça marche à tous les coups. On enchaîne avec le meilleur joueur de billard de l'année. Bon, de toute façon, ce vase n'était pas très beau, hein. De la meilleure robe de mariée validée par la famille. Attention. Oh my god, your dress! Wow, 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 wow. Michelle, you're in our first look. Oh my god, I'm sorry. Oh my god, I'm sorry, I'm trying to move out of the way. Oh my god, it's getting late. Après la sélection de la robe, place au mariage avec le trophée du meilleur toast. Right. Allez, et puis santé, hein. Ah non, sans chaise en fait. Place maintenant à la meilleure bricoleuse. Avec une technique unique au monde pour percer un trou. Ah ouais, c'est fort là. Là, ça va percer plus loin, c'est sûr. Et pas de jaloux, on passe au trophée du meilleur bricoleur. Non mais vraiment, les travaux, c'est pour les experts comme moi, hein, vous voyez. Avec moi, c'est du solide. Ça va, les voisins? Award des meilleurs déménageurs. Avec eux, en moins de 5 secondes, c'est plié. Big Bêtisier Award du meilleur sixième sens. Attention, vous allez voir, elle devine tout ce qui va lui arriver. Ça pue là, non? On voit pas bien, mais dans le doute, je vous conseille d'aller prendre une douche quand même. Trophée de la meilleure mauvaise idée du jour. Oula, un saut de barrière alors qu'il pleut. Vous la sentez venir, la mauvaise idée? Moi, je la sens. Hein. Et maintenant, meilleur tuto de danse à domicile.
Alors, pour une bonne pirouette, bien écarter les bras et pivoter comme ceci. Advanced parking skills, Santa. À présent, une pub où notre Père Noël a pris un peu d'embonpoint, ça arrive, hein. Mais il faut dire qu'avec son métier, il est souvent soumis à la tentation. Oh non, non, non. Oh, zero calories. Daddy, he's drinking all my pizza. I know, look away, sweetie. Mais qui est ce pilier de comptoir très particulier le soir de Noël? Eh oui, le Père Noël en personne, il enchaîne les milkshakes au grand désespoir du barman, visiblement. Mais pourquoi le Père Noël a-t-il tout son temps? Quand on veut se faire passer pour le Père Noël, c'est à ses risques et périls. C'est ce que va constater ce père de famille en voulant faire une surprise à ses enfants. Ça partait d'un bon sentiment. Que faire si votre enfant vous surprend en train de dévorer les cookies destinés au Père Noël? Well, hello. Santa? Eh bien, cette marque de chantilly vous suggère une idée. Ho, ho, ho! Dad, what are you doing? I'm not your dad. I'm Santa Claus. Then who's that? This holiday, share the joy of real cream with ReadyWhip. Et enfin, une publicité culte avec ce Père Noël qui va se confronter à un problème de taille. Le cadeau suivant devrait ravir petits et grands. On a réuni pour vous le meilleur des jeux télé à l'étranger. La recette est aussi efficace que chez nous. Animateur déchaîné, candidat survolté et épreuve complètement déjantée. La preuve, regardez, je vous le dis à chaque fois, mais c'est parce que c'est vrai. On ne s'en lassera jamais. Right, démarrons ce tour du monde des jeux télé avec Ellen DeGeneres pour ce jeu complètement barré. Le principe, mémoriser le plus d'éléments possible sur cette image pendant 10 secondes et les répéter chacun leur tour. Jessica, car. Okay, Devin. A yacht. Okay, Kathy. Rubber ducky. Oh no. No. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, en cas de mauvaise réponse, Hélène appuie sur le buzzer rouge et il se passe ça. Yes. There was an animal and it was a porcupine. Yes, no. Yes, yes. Nope. No, no, wait. No. It wasn't a porcupine. Congratulations, you won. You're on the 65-inch TCL Roku TV. Thanks for playing. Allez, direction le Japon, le pays des jeux télé les plus fous du monde. Dans cette épreuve, nos deux candidates sont extrêmement motivées pour gagner. Et pour cause, puisque la perdante devra avaler ceci. Alors oui, c'est comestible, hein, mais ce sont quand même des cigales. L'insecte est inséré dans un tube transparent. Pour ne pas l'avaler, il faut souffler le plus fort possible. Oh,
Bon appétit, mademoiselle. Pour terminer ce tour des jeux télé dans le monde, voici un top 3 des réponses les plus drôles de la version américaine d'Une famille en or. On vous a réservé, vous allez voir, ce que la galanterie a fait de mieux. On adore les stories et surtout à Noël, voici les meilleurs pour notre Christmas stories. Ce cher marquis de la Palisse ne l'aurait pas mieux dit. À Noël, vaut mieux être un renne qu'une dinde. Le reste de l'année aussi, vous me direz. Hein. Qu'ils découvrent la neige, les décos du sapin ou les magnifiques déguisements offerts par leur maître, petite compile des animaux qui passent à Noël plus ou moins joyeux. Le train à destination du Noël des animaux va arriver en gare, voie 25. Contrôle des billets et les cadeaux, s'il vous plaît. Vous avez tous votre billet pour le bêtisier spécial animaux de Noël ? Eh oui, Félix, Noël, c'est dans 18 jours. Ça fout la boule, non ? Faut que j'aille chercher le sapin. Ah ben non, faut que je prenne les cadeaux d'abord. Ah ben non, il faut acheter la bûche. Oh là là, je suis à la bourre. Médor, le trampoline, ça ne lui suffisait pas. Il voulait de la neige dessus. Les mannequins pandas durant Noël, ça la raconte un peu. Oui, regarde la caméra, sois sensuel, chérie, voilà. Tu es magnifique, bravo, parfait. Bon, faut choisir, hein. Soit tu glisses, soit tu cours. Et tu vois, Monique, là, c'est mon cheval. Il est beau, hein. Non, en fait, je confonds, c'est pas le mien, je le connais pas, celui. Jean-Pierre, on t'a dit, tu t'es mal garé, tu gênes la vache. Tu vas la bouger, ta caisse? C'est dingue, hein, Philibert, depuis qu'on l'a amené au ski, c'est un mordu de glisse. Allez, direction piste rouge. Je suis au taquet. Bon, Minou, pendant qu'on dégivre la voiture, tu t'occupes de la porte, hein, merci. Mais c'est toujours moi qui me coltine les tâches ingrates dans cette maison. Moi, j'en peux plus, hein. Et pour quelques euros de plus, nos magasins Brico Traîneau vous fourniront le chien pour la déco de votre sapin. Bon, à nous renvoyer en magasin après Noël, hein. Merci. La version chat est disponible également, mais enfin bon, ils sont pas aussi efficaces, hein. Félix, il adore Noël, mais bon, faire des cadeaux et puis tout le reste, les déguisements, tout ça, ça lui prend un peu la tête. Ça va, Félix? Et voici notre grand jeu de Noël. Trouver les deux intrus dans ses peluches. Alors, vous avez trouvé? Bah, s'ils se lèchent les babines en même temps, c'est facile, hein. Attends, toi, tu m'as même pas offert de cadeau à Noël. Hey. Tiens. Bien fait. Et oui, nos petites boules de poils adorent qu'on leur offre des cadeaux. Et ils s'empressent de les ouvrir. Allez, encore un petit effort. Quelqu'un leur dit que ce ne sont pas leurs cadeaux, là? Hé, hey, les gars, les noisettes, c'est le sac d'à côté, hein. À Noël, ce ne sont pas les enfants qui jugent les cadeaux, ce sont les animaux. J'aime pas. J'aime pas. Bon, il est temps de se quitter, c'est l'heure de rentrer. Et on vous souhaite un Noël étincelant.
Pour les plus chanceux, Noël rime avec vacances. Si c'est votre cas et que vos collègues de boulot vous manquent, cette séquence est faite pour vous. Une spéciale employée du mois du Big Bêtisier. Bon, dans la vraie vie, ils ont quand même plus de chances de se faire virer. Mais chez nous, pour tous ces rois de la boulette, c'est tableau d'honneur direct. Allez, viens, Ginette, je t'amène à la compta. Quête dans un bureau pour prendre une pause, c'est sympa. Alors c'est peut-être une mauvaise idée par contre. Revoyons le drame. Sandy, elle a été embauchée pour vendre des protections d'écran de téléphone. Ah bah oui, mais non. Non, non, Sandy, il fallait installer la protection avant de faire la démonstration. Eh oui. La secrétaire à l'arme. Très pratique en cas de cambriolage. Prenez 3 employés, un chariot élévateur et 2 sièges. Et vous obtenez les employés du mois. Voici une petite compile de nos champions d'engins de chantier. Oups, ah, c'est bon, sauvé. Ah, ah, ah. Ah. Ah bah non, 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 finalement non. Pétillante cette journée, vous ne trouvez pas? Pétillante, pétillante. Et voilà, c'est bon, c'est soudé? Ouais, ouais, je peux te dire que ça se cassera pas de sitôt. Ah, les employés toujours en train d'expérimenter de nouvelles techniques de travail. Merci Michel et bonne baignade. Bon, après toutes ces aventures, il est temps pour nos employés du mois de prendre des vacances, direction l'aéroport. Oh, il y a une bonne ambiance, non? Allez, bon voyage. Shifumi. Shifumi. Ah mince. Allez, c'est parti pour un nouveau Christmas Stories avec les meilleurs stories de Noël. Go get him. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Il en faut peu, pour être heureux. Ah, vous avez bossé comme des acharnés ces derniers mois, même pas eu le temps de traîner un peu sur le net pour vous détendre. Bon, je vous crois pas totalement, hein, mais c'est Noël, alors je vous offre la compile ultime. Voici toutes les vidéos les plus drôles et les plus vues ces derniers mois sur le net. Et on reste de grands enfants face à la magie. Et justement, cette vidéo fait sensation sur Internet avec ce tour entre amis. Attention, disparition toujours. Cet été, vous avez été très nombreux à avoir rigolé de ce monsieur qui cherche son portable. Bah, c'est le fameux kit main libre. Maintenant, vous allez voir une petite fille trop mignonne qui aime son papa. Ah, c'est mignon. Ils ont eu la brillante idée de booster leur sono et d'augmenter les basses. Il faudra racheter un rétro quand même. Hein. Dernier phénomène à la mode, les filtres animés. Et ce jeune homme a eu la bonne idée de faire revivre un duo mythique. Alors vous avez sûrement reconnu John Travolta et Olivia Newton-John de Grease. Enfin presque. Bon, c'est l'heure de se quitter. Pourquoi vous hurlez? Encore une vidéo qui va cartonner sur les réseaux sociaux. Bon.
Pour les fans des années 80, les parents, c'est papa chanteur, maman douceur. Et pour les fans du Big Bêtisier, ce serait plutôt papa chambreur et maman qui pleure. Mais de rire, évidemment. On a compilé pour vous les pires cadeaux et les plus belles vannes des parents à leurs enfants. C'est cruel, mais il faut l'avouer, c'est quand même très drôle. Pour Noël, l'animateur Jimmy Kimmel a inventé les Bad Presents, des cadeaux inattendus pour les enfants filmés par leurs parents. Des cadeaux un poil en dessous de leurs attentes, en même temps une poupée pour un petit garçon, fallait s'y attendre. Ah, le maillot de l'équipe de football qu'elle déteste. Ah oui, forcément, elle est déçue. Hein. Les Bad Presents cartonnent, c'est un raz-de-marée sur Internet pendant les fêtes et au Big Bêtisier, on est complètement fan. Alors, c'est quoi? Ah oui, c'est pas terrible. Hein. Peanut butter. What? A sandwich. Seriously? Look. Look, we're twins. Cool, le même pull que papa. Do you like them? No. Ça, c'est bien. What? Bah, le prends pas comme ça, hein. What? What is it? It's a water bottle? Yeah. Oh, my God. There you go. Justin Bieber. Bon, visiblement, il n'est pas fan du chanteur. Hein. Parfois, les parents se donnent du mal pour surprendre les enfants. Il n'y a pas trop de boîtes, en tout cas. Et échanger un smartphone dernier cri par un vieux modèle, ça marche toujours. Bon, il a l'air de bien le prendre, et il n'est pas le seul. Voici un petit florilège. It's really water. What are they, Milo? Show the camera. Q-tips. You wanted Q-tips and Santa brought them to you? Yeah, that's what they wanted. Oh là là, mais il y a des enfants formidables. Et encore plus original, ce petit garçon a reçu comme cadeau une petite sœur. Ah, par contre, je suis pas sûr que le magasin reprenne la marchandise, hein, jeune homme. Que les parents ne fassent pas trop les malins, hein, parce que sinon, voici ce qui va les attendre. Alors, t'es content? Voici maintenant votre instant Christmas Stories, des meilleures stories du web spécial Noël. Et au risque d'en décevoir certains, seuls les naïfs pensent qu'ils gèrent comme des dieux la première fois. Pour nous autres simples mortels, première fois est plutôt synonyme au mieux de tâtonnement, au pire de grosses galères. Et cerise sur la bûche, on vous offre en bonus les plus belles gamelles en luge. J'adore. Quand on pratique dernière, le sport c'est bon pour la santé, mais la première fois, c'est bon pour le Big Beat. Et on termine tout chousse avec les meilleures gamelles en luge. Oh, les et encore joyeux Noël! Salut!